Caroline, présidente de l'association Undertaker, organisateur de l'événement Tattoo Convention Le Mans. Alors, pouvez-vous nous présenter un petit peu quelle est déjà votre association ? Alors, l'association, elle a pour but, si vous voulez, de promouvoir toute forme d'art artistique à travers la création d'événements, de soutien. On accompagne les gens dans leur démarche artistique, on leur propose des solutions pour être mis en avant, expositions, concerts et événements comme celui-ci. On travaille aussi avec la ville du Mans sur l'accompagnement des jeunes, sur le marché des jeunes créateurs et la couveuse. Voilà, donc là en découle le salon du tatouage, première édition de cette convention où on a vraiment essayé de réunir au maximum tout type d'art, musique, artistes, tatoueurs, créateurs, et on a voulu mutualiser tout ça pour essayer de faire quelque chose avec une belle âme artistique. Et on voit que le public a répondu présent. Ouais. On ne sait pas encore combien de personnes sont venues, mais effectivement, il y a eu beaucoup de monde. On remercie vraiment tout le monde d'avoir joué le jeu, que ce soit les exposants, que ce soit le public, parce que réellement, ils ont vraiment été très nombreux à nous suivre dans cette aventure, et on espère que ça pourra découler sur une nouvelle édition. Alors, on voit que le tatouage, c'est pour les jeunes et moins jeunes, hein, on le voit. Complètement. C'est un aspect qui est devenu un aspect esthétique et un petit peu d'effet de mode, on ne peut pas se mentir. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a un panel de tatoueurs qui ont des styles complètement différents, bien à eux, bien marqués. Et il y en a pour tous les goûts maintenant. C'est ça qui est bien. Et c'est de l'art maintenant, on peut dire que c'est des artistes. Ça a toujours été des artistes tatoueurs, mais ce n'était pas démocratisé. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est reconnu comme tel, et tant mieux pour eux parce qu'ils font un boulot fantastique. Et ça passe par des salons comme celui-là au Mans ou Paris, par exemple ? Partout, ouais. Nantes, Paris, Tours, Angers, Le Mans en première édition. On est content que les gens aient répondu et que les tatoueurs soient présents parce que ça permet de montrer aux Manceaux qu'effectivement on a un panel artistique de tatoueurs phénoménal. Et puis c'est contrôlé, hein, maintenant les tatoueurs, c'est... on ne fait pas n'importe quoi. Ah non, attention, l'Agence Régionale de la Santé contrôle tout ça par des formations d'hygiène et des inscriptions de locaux qui rentrent dans les normes d'hygiène d'exercice de tatouage. Le tatouage le plus original ici? On a vu le salon chromatique qui a fait un dos complet avec deux tatoueurs qui tatouaient le dos en même temps de la personne. Cette pièce, elle est fabuleuse. Elle va être présentée au Best of Show tout à l'heure, si vous voulez prendre des photos. C'est extraordinaire à voir. Deux tatoueurs en même temps qui travaillent sur la peau pour une pièce qui fait tout un dos. C'est impressionnant et la technique est fabuleuse. Dernière question. L'an prochain, j'imagine qu'il y aura des nouveautés peut-être. Déjà on va voir si effectivement ça a plu, s'il y a de la demande, si les tatoueurs sont contents, si les exposants sont contents, les artistes. Et effectivement, si c'est le cas, on va essayer de faire la même chose mais différemment pour éviter d'avoir une redondance et que les gens découvrent à nouveau autre chose. Il y a une page Facebook qu'on peut vous suivre. Undertaker Project, je crois, c'est pas simple sur Facebook. On a un site Wixit Undertaker Asso. Et évidemment, le site Tattoo Conv Le Mans sur Facebook également. Merci à vous. Merci à vous.